Yo, c'est ton poteau mathématique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Beach Brussels. Les gars, aujourd'hui, c'est une vidéo où on va discuter. C'était une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je vous cache pas que j'étais pas prêt. Ah, j'étais pas prêt. Je vous explique. Ce matin, j'étais en train de manger. J'ai pris mon petit déj, etc. Je monte pour prendre du Beach Brussels. Voilà, je prends mon téléphone, j'allume. J'ai une envie pressante. Je vais aux toilettes. Et pendant que j'étais sur le trône, on va passer les détails, hein, on va pas tout dire, hein, on va pas tout dire. Je mets la mise à jour, je suis comme as, et j'avoue, j'étais. Ah ouais! Je m'y attendais pas du tout, vraiment pas du tout, à ce qui s'est passé. Dommage, j'ai pas retrouvé la vidéo, mais vous inquiétez pas, les gars, j'ai le gameplay. J'ai trouvé le gameplay sur Internet, sur YouTube, et du coup. On va regarder ça, c'est sur Ichigo, vous l'avez déjà vu, si vous ne l'avez pas vu, vous inquiétez pas, vous allez le voir, et vous avez dû le voir aussi dans la loterie, hein, tout simplement. Tout d'abord, on va passer vite fait sur les persos qui ont une résu, j'ai vu ça, je me suis dit, je fais jamais ça, autant voilà, en profiter. Vous pouvez voir que Orihime, Alibel et Soifon, Plage, ont un résu, tout simplement. Là, ici Orihime, tout premier personnage du jeu, 5 étoiles que j'ai eu. Ça fait plaisir, petite nostalgie, etc. Alibelle que j'ai eu très récemment, hein, aussi. C'est dans la loterie sélective, je crois. Et du coup, on l'a eu. Résu, merci les orbes. Tout simplement, c'est le premier truc que je me suis dit. Orbe, j'en ai que 9000, je crois. Je suis à 9000, c'est pas assez. Donc du coup, encore plus d'orbes et ça fait plaisir. Comme ça, on est chargé pour l'anniversaire. Et je n'ai pas. Soifon, j'ai pas. On va regarder les Soul Traits en vite fait. Hein, Soul Traits, moi je regarde que les Soul Traits parce que voilà, les persos résus. Ils ont des stats en plus, mais bon, moi je regarde souvent les Soul Traits. Donc ici, pour Alibelle, temps de recharge d'attaque puissante, durée d'altération d'état de faiblesse moins 55%. Pour Soifon, Soul Traits, donc dégâts des attaques normales, Soul Traits disponible, durée de l'altération d'état par Evizy, moins 55%. Et ensuite, pour Orihime, hein, qu'on appelait, de ce que j'ai compris, auto-immé à l'ancienne, et bah dégâts de 20% lorsque l'endurance est ma au maximum, et temps de recharge d'attaque puissante moins de 10%. Je trouve que c'est le entre guillemets le plus intéressant, mais franchement non, ça fait plaisir. Je les ai pas beaucoup, hein, je les ai pas beaucoup maxés, donc voilà quoi, on va farmer les orbes, c'est le principal, et voilà, on est content. Et là, on va passer sur le vrai. Sur le vrai sujet, les gars. Le vrai sujet de la vidéo. Voilà, on va pas. Hein. Loterie sortie du Bleach Brewsoul Official Artwork Ichigo bientôt disponible. Moi, j'étais en mode. What? J'ai pas compris. Parce que j'ai vu la vidéo, j'étais en mode. Donc, lui, c'est pas juste tu sais, le logo des 6 ans. Non, non, non. C'est pas juste le logo des 6 ans. C'est un perso. Voilà, pour moi, c'est le Ichigo 5 étoiles, donc du coup c'est pour moi c'est le V2, comme ça ressemble au perso des 2 ans. Bah du coup c'est pour moi c'est le deuxième volume quoi, tout simplement, c'est la version 2, hein, la V2 comme on dit. Et grave stylé. Moi je me suis dit ok d'accord, ça va être un perso, voilà, il parle de artwork, nanana, faites vos dessins, regardez, nous on a fait ça. Parce qu'on va pas se le cacher, il est grave stylé. Il est grave stylé de ouf. Mais moi j'en revenais pas, j'étais en mode mais. Ok, donc c'est vraiment un perso. Donc du coup, pour revenir à ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on invoque ou pas? On ne sait pas ce qu'il y a encore dedans. C'est le 15 juillet à 9h, hein, tout simplement. Est-ce qu'on va invoquer? Est-ce qu'on va utiliser des orbes? Je ne sais pas. Je vous cache pas que l'artwork et le gameplay est grave stylé. Donc j'avoue que c'est très 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 tentant, sachant que qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que déjà d'une, est-ce que ce perso-là ça aurait pu être un perso premium avec un donc, potentiel, de ce que j'ai compris, Aizen, hein, pour les persos premium. Est-ce qu'ils vont en mettre un, du coup, que un perso premium et pas deux, hein, et trois persos, donc portail de fin de mois. Je sais pas comment ça fait trop bizarre parce que là, il y a les portails arènes qui arrivent, il y a les portails. Du coup, là, il y a une loterie spéciale, du coup, Arc of Torque. Il y aura un portail premium, c'est un peu fouillis, je vous cache pas, mais est-ce qu'il faisait pas partie de base du portail premium? Oui, je sais pas. Est-ce que ça va être un portail premium? Je sais pas, je pense que oui. Donc voilà, c'est un peu chelou quand même. Je vous cache pas que c'est un peu chelou. C'est trop bizarre, je suis grave content,
mais ça perturbe un peu tout ce qui va se passer pendant les 6 ans. Est-ce qu'il va toujours y avoir 2 persos premium et 3 persos fin de mois? Ou est-ce qu'il va avoir un perso premium, 3 persos fin de mois? Est-ce qu'il va avoir 2 persos premium, 2 persos fin de mois? Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas, ça me perturbe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes hypé aussi, hein. Si vous êtes hypé par ce Ichigo, parce que franchement, l'artwork est vraiment stylé. Donc du coup, on va passer au gameplay, les gars. On va passer au gameplay. Le gameplay, je l'ai trouvé sur YouTube. Je me suis dit, je vais pas trouver. Mais si, en fait, les mecs sont chauds. Les mecs sont archi chauds. Donc voilà. Je vais juste couper le son, juste en 2 spi de ça, là. Parfait. Voilà. Chut. Non, non, chut, chut, chut. Chut, chut. Laisse-moi place à ça, là. Donc voilà. Le perso, déjà, faut que je revienne un peu en arrière. Voilà, le perso là déjà il est grave stylé. Il est grave stylé, hein. Il est trop stylé, je trouve. Il est trop beau. On est d'accord, hein. Dites-le moi dans les commentaires, comme j'ai dit, ce que vous en pensez, mais je le trouve ultra stylé. Le comment dire. Rien que le carré avec la tête du perso. Mama! Il est trop stylé. Il est trop stylé. Et le mec, il est trop fort, il a déjà maxé, hein. Le perso n'est pas sorti, il a déjà maxé. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait, mais il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Et du coup, ça sera un perso tech. Un perso tech, on aime bien les perso tech en ce moment. J'ai beaucoup de perso tech et non, trop stylé, trop stylé. Déjà, je vais vous montrer l'artwork du coup du perso là, ici là. Il donne trop envie, c'est trop comment il donne trop envie d'invoquer. C'est trop. Et donc, du coup, on va passer au gameplay. Je vous mets le petit gameplay. Je vais pas trop parler, juste vous dire que c'est trop beau. Déjà, l'auto, elle est plutôt cool, elle est plutôt sympa, plutôt rapide. C'est fluide. Je kiffe. Je kiffe. Le mec, il est pas du tout, pas du tout neutre. Donc voilà, la petite auto. Là, c'est le premier spell. On dirait un petit vortex et il repousse. Enfin, c'est un petit, en fait, ils sont one shot, les persos, donc on. D'accord, on voit pas trop, mais en tout cas. C'est beau, hein. C'est beau. Limite full screen sur celui-là. Et le troisième. Vous allez voir. Mais déjà, j'aime trop la couleur comme ça, rouge et noir. Voilà, full screen avec le katana. Vraiment, vraiment, vraiment stylé. Hein. Je vous cache pas que. Il y a du style dans ce que je vois. Il y a du style. Et du coup. Attends, il y a le mec, on entend trop la voix du mec là. Et du coup, voilà. Trop stylé, frère. Ça, vous l'avez vu dans la vidéo de ce matin, du coup. Vous l'avez vu dans la vidéo de ce matin. C'est trop le style, c'est trop. Franchement, il y a rien à dire. Franchement, j'avoue que ça donne vraiment beaucoup envie d'invoquer et de claquer quelques orbes. Hein, on va pas se cacher. Hein, c'est vraiment stylé. Donc voilà, le gameplay du personnage Ichigo. Hein. Donc du coup, Ichigo sorti du Build Resource officiel Artworks. Qui n'était pas du tout prévu, disponible à partir du 15 juillet à 9h. Dites-moi les gars dans les commentaires si vous allez invoquer ou pas. Dites-moi si ça va un peu chambouler ce qui va se passer par rapport à l'anniversaire, parce que je sais pas si c'est déjà arrivé qu'un perso sorte comme ça, qui crie gare, à moins que ça soit le perso de Minmoots, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, le Ichigo. Rien d'autre à dire. Ichigo Artwork. Dites-moi si vous allez invoquer. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'avoue que je suis un peu chamboulé, on va pas se cacher. Je m'attendais pas du tout, hein, vidéo pas du tout prévue. Et voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, une petite vidéo comme ça sur Beach Break Souls. C'est rare que je fasse ça, mais bon là, on s'y attendait pas. C'est trop bien. Un petit peu de surprise, ça fait plaisir. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était ton poteau Mante Mertille. Bientôt les invocations de Beach Break Souls, l'anniversaire. Il y a une vidéo d'Oken qui va arriver encore. On va pas lâcher l'affaire sur Goku Migate, mon frère, on va t'avoir, je te le dis tout de suite. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était ton pote Mante Mertille. Ciao.